Eh bien salut tout le monde, c'est Zor. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Dofus sur la version 2.9 bêta test de Dofus. Donc ce petit tutoriel sera pour avoir l'attitude être frigorifié qui se situe en -38,88 sur l'île de Noël, qui est enfin accessible sur la bêta test, hein, pas encore sur l'officiel. La version officielle va sortir très bientôt sur la version donc officielle, la mise à jour 2.9. quand elle va sortir, ça je ne sais pas exactement, j'ai pas regardé les dates, faudrait que j'aille voir. Je vous mettrai dans la description pour être sûr s'ils ont donné une date normalement. C'est début décembre, mi-février. Mi-février moi, qu'est-ce que je dis moi? Début décembre, mi-décembre. Là normalement la mise à jour devrait arriver juste avant, bien sûr bien avant Noël, hein, vous inquiétez pas. Donc pour avoir cette attitude, ça va être très simple, donc il faut parler à Gaspaud. Pour pouvoir avoir cette fameuse émoticône, donc il demande ses ennuis. Donc en fait, il y a eu un petit souci, je vais vous expliquer ça. Accepter donc la nouvelle quête, voilà, comme les Wamages ont galéré, donc vous avez cette quête. Donc il faut ramener à Glituiltoire une caisse de lance-monceau. Et vous avez donc une nouvelle quête aussi qui est aide les mages à se protéger contre le géovent. On gagne une étoile des Wamages, mais ça j'y viendrai dans une prochaine vidéo pour les étoiles. Donc vous me direz si ça vous plaît que je fasse des tutoriels sur les émoticônes de l'île de Noël. Je pense que ça peut être sympa, je vais faire pas mal de choses, hein, les quêtes de l'île de Noël, les donjons. Alors je pense pas pour faire le dernier donjon, parce que le dernier donjon est extrêmement dur. Il faut au niveau de 199 minimum pour pouvoir le faire. Et bien sûr vous inquiétez pas, la découverte de l'île de Pandala, je la continue, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je vais la reprendre très très bientôt. Donc on va aller voir ce mec, Gluir, je sais plus lequel c'est, Glutiliar, qui se situe donc ici. On clique sur la petite géolocalisée. Je dis ça hein, parce qu'il y en a quand même qui viennent de débuter, ça peut arriver, et c'est toujours bien de préciser. Donc on va aller à la boutique de Noël de ce pas. Allez, c'est parti. Donc c'est vrai que moi j'adore l'ambiance de Noël hein, sur Dofus, je trouve que c'est vraiment super. Franchement c'est vraiment bien appliqué pour avoir cette ambiance. Je suis super content pour ça. Et bien sûr il y a d'autres choses à découvrir sur cette île. Pas mal de quêtes qui peuvent être vraiment sympas et qui prennent aussi énormément de temps. Donc on va aller à la boutique de Noël qui se situe donc ici. Alors donc on va aller voir, on va parler donc à Glutiliar. On parle. Et on demande donc demander la réparation du lance-manceau. Donc voilà, donc il y a donc il a pris une caisse de lance-manceau. Et il vous demande donc de lui ramener 10 pièces de rechange. Donc pour 2 pièces de rechange, ça je vais vous expliquer comment. Donc pour pouvoir donc pour lui ramener ces fameux objets qui sont donc les 10 pièces de rechange, quand même une quête qui fait gagner quand même 1,5 million d'XP et 25 000 Kama. Bon les Kama c'est pas non plus énorme. Donc ce qu'il faudra faire, c'est pour les levels de 20 à 70, c'est battre des glutins turbulents du Havre de Noël. Pour les 71 à 130, battre des glutins des glutins hargneux de la terre de Noël. Et pour les 131, je vais mettre ça, 131 à 200, il faut battre les glutins malfaisants de la taïga de Noël. Donc voilà, pour savoir un petit peu comment il faut s'y prendre. Bon, bah, je vais aller battre, enfin, je vous montrer où se situent les... Enfin, pour moi, c'est de... donc c'est les 131 à 200, les glutins malfaisants de la taïga de Noël. Par contre je vais faire ceux de Lenny plutôt, parce que j'ai commencé la quête de Lenny. Parce que ils sont beaucoup moins forts, j'ai pas la foi de connecter toute ma team parce qu'il est un peu tard. Ça revient au même, donc je vais y aller avec ma Nini. Donc je vais vous montrer un petit peu les groupes que vous devez faire. Je vais en chercher. Donc moi je suis à la terre de Noël, hein. Voilà, donc vu que je suis du niveau 129, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez dans ce groupe il y a un glutin hargneux de la terre de Noël. Donc en fait vous allez le battre et à la fin il va vous donner cet objet de quête. Celui-ci, voilà, je vous montrais les pièces de rechange et ça il en faut 10 et vous le rapportez au lutin. Et avec ça ben, vous allez pouvoir... avoir la fameuse émoticône. Donc je vais vous faire un petit combat pour vous présenter quand même ces mobs. Un minimum. Alors, je vais en chercher. Je sais pas où je vais en trouver.
Des fois j'en trouve très rapidement, mais des fois j'en trouve, mais il y a un trop gros groupe avec. Donc voilà, tout à l'heure j'ai eu la chance d'en trouver que deux tout seul, qui n'étaient pas accompagnés, mais j'avais quand même un peu de chance. Alors là j'ai trouvé un groupe, ouais, mais il est beaucoup trop gros, 787, donc je vais pas le faire. Alors je vais en chercher. Bon, je suis pause et je vous en trouve un. Allez, à de suite. A été mise à jour. Donc, bon, faut que je fasse play. Au moment où il y a le truc d'antivirus qui s'active. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de battre ces glutins hargneux. Je vais prendre les nids, bien sûr, toujours. Il y a une petite particularité, justement, avec ces mobs. Alors, c'est pour ça que je vais me mettre le plus loin possible. Donc en fait le glutin hargneux il vous transforme, il vous enlève 4 PA à peu près je crois. De toute façon vous allez le voir, hein, vous inquiétez pas. Je vais me booster. Alors c'est vrai qu'avec la mise à jour je crois que les... Enfin c'est pas je crois. Les obals sont maintenant avantagés parce que le masque comme je dis il coûte 1 PA maintenant. Et les boosts cabrioles durent 2 tours maintenant pour éviter que les gens soient tout le temps que terre et pas O ou R. Donc vous avez vu, ça m'a transformé son sort qui donc le sort empaquetage qui fait moins 4 PA pendant 2 tours est affaibli pendant 2 tours, déclenche moins 1 PM pendant 2 tours et change l'apparence également pendant 2 tours. Vous pouvez toujours attaquer mais c'est juste que vous perdez 4 PA. Donc c'est pas grave, je vais les redonner avec les nids. Je vais me booster. Et lui faire un coup de cac. Bon, c'est pas grave, on se retrouve à la fin du combat, à de suite. Donc vous voyez qu'à la fin pour Lini, bien sûr qu'il est que niveau 120, alors sur la bêta je sais plus quel level il est. Non, ça c'est le Zobal. Lini est level 128, donc ça fait que comme elle est 128, elle peut avoir donc la pièce de rechange, donc ça m'en fait 3. Par contre pour le Zobal il faut que j'aille sur les persos qui sont un peu plus puissants, donc j'irai une autre fois. Donc avec les nids il m'en faut encore un peu, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause et je vais essayer de toutes les récolter et on se retrouve donc quand j'ai tout eu. À de suite. Me revoilà donc après les avoir tous battus. Donc vous voyez que j'ai sur ma quête les 10 pièces de rechange pour fabriquer, refabriquer, réparer le fameux objet en question. Donc on va y aller sur ce pas, décider justement de donner ces objets pour finir cette fameuse quête. Donc vous me direz si ça vous plaît que je fasse des petites quêtes comme ça. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Je vais continuer à en faire, hein, vous inquiétez pas, c'est pas... C'est loin d'être fini. Et je vais vous faire une autre petite quête. Alors, c'est pas une quête, c'est un succès qui va vous faire rapporter quand même 1 million d'XP. Donc, c'est quand même pas mal. Je vais vous la faire juste avant que je rapporte les objets que j'avais besoin pour la quête. Allez, c'est parti. Donc, on va là. Vous me direz si ça vous dit que je fasse les différentes quêtes de Noël. Bien sûr, avec les donjons accompagnés. Je pense que ça peut être sympa, en profiter qu'il y ait l'île de Noël qui soit ouverte, hein, vu qu'elle est ouverte que le mois de décembre. Alors, là, je suis avec Lenny, donc je parle à Glutiliar. Donner les pièces de rechange. Voilà. Donc, 10 pièces, je gagne 1 million d'XP. Ce qui est quand même pas mal. Partir à la rencontre de Bal Azoa, donc bien lubrifié pour mieux tirer. Et qu'il faut que j'aille voir Bal Azoa. Maintenant il faut que j'aille voir Albazao, Balthazao, donc Balthazar. Je vais y aller. Alors où ça se situe? Je vais lire ça. D'accord, bon je fais pause, je fais le chemin et on se retrouve à de suite. Donc me voilà avec Balthazao. Donc je lui parlais. Donc parler des munitions du lance-monceau. Voilà. Quête mise à jour, bien lubrifié pour mieux tirer. Récupérer la munition, récupérer la munition, récupérer la munition. D'accord. D'accord, bon, faut que j'aille voir toutes ces positions. Ah, je peux pas en mettre plus. Bon, c'est pas grave. Donc, elles sont situées. Donc une ici, tu ici, une ici, tu ici, une ici, une ici et une ici. Bon, bon, on va y aller. Dès que j'arrive à une position, je vous remets la vidéo en route. A de suite. Alors, je suis arrivé sur une première destination qui se situe donc en moins 32, 4, moins 85. Alors, je cherche un peu pour savoir ce que ça peut être. Donc ça peut être une munition, enfin je sais pas ce que ça peut être. Ça doit être un truc cliquable, je pense. Ah, alors là, on va aller voir.
Quelques mises à jour, elle est mieux bien lubrifiée pour mieux tirer. D'accord. Bon, on va aller voir les autres endroits. On va aller juste à droite pour retrouver ses munitions. Alors, où est-ce qu'il y a un autre pingouin? Là, il y a un autre pingouin. Super. Bon, j'allais voir en haut et à droite. Voilà. Super. Alors, voilà, le pingouin, il est là. Ensuite, il en reste plus que un en haut. Il en reste encore deux autres, mais j'ai pas pu les mettre. Ah non, il en reste deux encore. D'accord, donc ok. Bon, il en reste deux. Pas très compliqué pour le moment de récupérer ça. Le pingouin, il est ici. Alors, je vais voir, je vais recliquer sur les endroits où j'ai pas pu tout à l'heure. D'accord, bon, il faudra que j'aille là-bas tout à l'heure. J'irai faire le chemin. C'est pas un souci. Voilà, je monte et je vous ferai bien sûr ce premier donjon, vous inquiétez pas. Pour demain. Alors, bon, on va monter. Voilà, et le pingouin, il est ici. Voilà, super. Donc, on va aller à cette destination, je fais pause et on se retrouve là-bas. À de suite. Donc là j'ai pris le pingouin, je vais reprendre les deux derniers et reparler au... Normalement après je sais plus ce qu'il faut faire, je vais aller voir. Donc les quêtes sur l'île, enfin dès que la découverte de l'île Pandala, vous inquiétez pas, je vais continuer. Mais là je profite que l'île de Noël soit ouverte, parce que bien sûr après vous savez que elle est ouverte qu'un certain temps, contrairement contrairement à l'île de Noël qui est ouverte que pendant un mois, alors que l'île de Pandala est ouverte toute l'année. Donc vous inquiétez pas, je vais en profiter de faire un maximum de vidéos sur l'île de Noël, continuer vraiment les quêtes de l'île de Noël, les attitudes et même les autres quêtes qui peuvent être vraiment super sympas. Donc là c'est bon, j'ai tout ramassé, je lui reparle, donner les munitions et je te remercie, tu es stupide mais tu es boive, un peu comme mon ancien clou blanc apprivoisé. D'accord, ok. Quête mise à jour. Essayez les machines dans l'atelier de Nicolas Noël avant de préparer de l'huile de faune poisson pané. D'accord. Bon bah on va aller voir ça. Sans plus tarder. Allez c'est parti. J'y retourne. Moi je fais pause et je reprends quand je suis arrivé. Bon, me revoilà arrivé dans la boutique de Noël. Alors Nicolas Noël. Non. Bon, on va aller dans la boutique de jouets peut-être. Ok. Alors, on va parler à Glunette. Acheter, vendre. Flocon de neige, traîneau, canigro, bouboule, moule de chef. Monstre brioche de Noël, patron de gluten. Non, c'est pas ce que je veux. Acheter, vendre. Emballage, craquelorbe dans moule, petit filet, patron de Rodolphe. Non, c'est pas ce que je veux. Acheter, vendre. Emballage, peluche, yeti, minuit, petit filet, grand filet, moule à clé, patron Noël, cauchemar. C'est pas ce que je veux. Ouais. Alors attendez, je vais revoir la quête. Essayez les machines dans l'atelier de Nicolas Noël avant de préparer de l'huile de faune morue de poisson pané. Essayez. D'accord, bon ben je les essaye. Hein. Je vais retourner en arrière. Peut-être là, les machines sont peut-être ici. Non, elles sont pas là. Bon. Oui. Essayez les machines de Nicolas Noël. Ben, c'est ce que je viens de faire, je comprends pas. Bon. Bon, on va avoir un truc. Ouais mais pour un cadeau faut l'emballer, c'est pas trop ce que je veux. Alors qu'est-ce que je veux relire? Essayer les machines dans l'atelier de Nicolas Noël avant de préparer de l'huile de foie de poisson pané. D'accord. Bon bah je vais essayer de préparer ça, je mets pause et je vais essayer de trouver. Et dès que j'ai trouvé, on se reprend de suite.
Bon, j'ai fabriqué un cadeau, donc ça m'a donné donc 405 000 d'XP et 10 cadeaux de Noël. Donc je fais accepter, donc c'était juste pour la petite info. Alors est-ce que ben j'ai trouvé, est-ce que j'y suis arrivé? Non, toujours pas. Bon, ben je vais continuer à chercher, je suis désolé, je suis bloqué, je sais pas pourquoi, moi, de suite. Donc en fait c'est bon, j'ai trouvé, y a un pote à moi qui m'a juste expliqué. En fait il faut pêcher ça en fait. Faut fabriquer de l'huile de poisson pané. Donc vous pouvez avoir les poissons panés soit en pêchant les dévoreurs sur l'île directement, il y a des trous d'eau pour ça. Soit ben, vous allez à l'atelier, au hôtel de vente des poissonniers, vous achetez 10 poissons panés. Ce qui est beaucoup plus simple, sinon vous devez apprendre le métier pêcheur, enfin bref. Le plus simple pour vous, c'est d'aller acheter voilà, des petits trous d'eau comme ça. Le plus simple pour vous, c'est d'aller acheter les 10 poissons panés, comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais aller fabriquer cette fameuse huile. Et pour la fabriquer, en fait, c'est juste ici. Voilà, on va fabriquer cette huile. Donc, je vais mettre mes 10 poissons panés que j'ai acheté fraîchement tôt ce matin. Pourquoi rejoindre le combat de Ezor? D'accord, bon, c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Alors oui, je fabrique l'huile. Je fabrique l'huile. Donc voilà, ça y est, j'ai mon huile de fabriquer. Mais je comprends pas, il m'a agressé ou m'a défié? D'accord, ok. Eh mais c'est vrai, j'ai pas monté mes sorts moi. Oh le tocard. Bon, je vais m'avancer comme ça, c'est pas grave. Bon, normalement, je devrais m'en sortir. Hein. Bon, là, il fait passer mon tour. C'est super, il me désenvoûte. Non, pas vraiment, il me désenvoûte. Bon. Bon, ce qu'on fait, je fais pause parce que je finis. On se retrouve de suite après. À de suite. Bon, voilà, c'est terminé. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin bon, c'est pas grave. On reprend. Donc c'est bon, ça c'est fait. J'ai fabriqué mon huile. Donc après avoir fabriqué l'huile, je crois que je vais pouvoir tester la fabrication des jouets. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Bon alors attendez. Je vais juste regarder une dernière fois ma quête. Ramener à Balthazao, d'accord. L'huile de foie de morue. Bon ben je ramène cette huile et je reprends dès que je suis à Balthazao. À de suite. Me voilà donc à Balthazao. Donc je lui parlais et je lui donnais l'huile de foie de poisson pané. Donc là j'ai gagné encore 1 million d'XP. Donc j'arrête pas d'XP depuis tout à l'heure avec les succès. 400 000 d'XP. Encore 800 000 tout à l'heure. Donc franchement ces quêtes elles font vraiment énormément XP. Même en plus pour les bas levels ça peut être vraiment sympa. Bien lubrifié. Je te remercie à présent. Coup prévenu. Melchior que le Géo vent s'est échappé. Pendant ce temps j'ai lubrifié mes munitions. Accepté. Géo est parti. Donc je vais aller voir Melchior et je vais avoir la récompense, être frigorifié et je regagne encore 1 million d'XP. Bon, mais c'est pas mal, je fais pause et on se retrouve là-bas de suite. Me voilà donc à côté de Melchior, donc je vais lui parler et annoncer l'évasion du Géovent. Donc voilà, quête mise à jour, sans protéger le roi mage. Comment ça pouvait, nous étions protégés le roi mage? D'accord, donc en fait on va se battre contre le Géovent qui est celui-ci qui tape pas des masses. Je vais donner des PA au Melchior. Voilà, ça c'est quoi? Inspiration des voix. D'accord, bon ben c'est une attaque qui va me servir et je vais l'utiliser. Voilà, je sais pas trop vraiment si ça va servir, mais bon, c'est pas grave. Je soins, je suis un nini, c'est fait pour ça. Voilà, c'est bon. Là, ça va être encore à mon tour de jouer. Donc, j'essaie de vite le tuer. Alors, attendez, il y a un souci. Déclencher, dommage réduit de 15 infini, état invulnérable infini. D'accord. Bon, ce que je vais faire, je fais pause et on se retrouve un peu plus tard.
Donc c'est bon, en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il invoque donc lui le plus gros, celui-là qu'il invoque les trois rois mages. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais soigner. Voilà, faut qu'il invoque qu'il ait trois rois mages d'invoquer, et quand il fait son sort, un des rois donc fait son sort. Lance-manceau, donc ça fait donc désactive l'état invulnérable. Donc c'est ce qui va permettre donc de tuer le Géovent. Alors c'est vrai qu'avec Lenny c'est pas forcément simple. En plus il a plus son état. Donc je vais me donner DPA. Voilà, et je vais faire le sort sur lui. Voilà, et je vais me re... je vais soigner. Voilà, au moins c'est fait. Donc vous voyez, dès qu'il a fait son sort tout à l'heure, on a pu le taper. Donc là, il attaque. Oula, il reste plus que 18 points de vie au mob. Je vais vite le soigner. Voilà. Et en même temps, j'ai soigné lui et que je ne voulais pas. En plus, je peux même plus l'attaquer. Bon, c'est pas grave. Bon, on se retrouve à la fin du combat de suite. Bon, voilà, je suis à la fin du boss. Ça m'aura bien saoulé. Donc, quand on fait un coup de cac, il reçoit aucun dommage. Donc, il faut attendre qu'il ait 3. Voilà, hein, les 3 mêlent. Les 3, on va dire, les Gaspa. Enfin, les 3. Les trois lapins, voilà, je vais y arriver. Ouais, il m'aura tellement saoulé que j'en perds mes moyens. Donc, dès qu'il fait son sort, lance-manceau, il entre donc dans un état, désactive l'état invulnérable. Donc, c'est celui-ci. Et là, je peux le finir. Enfin, si j'y arrive. Voilà, donc, faut que la victoire soit totale pour réussir à faire ce. Oui, je sais, c'était très long. Donc, voilà, une fois, vous reparlez à Melchior. Et sans en savoir plus à son sujet, fermer ce dialogue. Non, alors c'est pas ça qu'il faut faire. Se renseigner sur le Géovent. Ah, ça m'a fait XP. Niveau 129. Ça m'a fait niveau 129. Ce qui est quand même pas mal. Et je vais voir dans l'actualité. Et ça m'a fait XP. 1 million d'XP. Et maintenant, j'ai l'état frigorifié. Maintenant, donc c'est vraiment sympa. Et je vais tester ça tout de suite. Je vais descendre de la Dragodend pour voir un peu ce que ça donne. Ça donne. Zoomer. Alors, on va voir ce que ça donne. D'accord. D'accord. On se fait chier pendant une heure pour cette émoticône. D'accord. L'émoticône, elle dure même pas une dixième de seconde. Bon, c'est pas grave. Déjà, c'est déjà sympa. Ça fait une attitude en... Une émoticône, pardon. Non, une attitude en plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à commenter la vidéo. À vous abonner à ma chaîne, ben, pour suivre mes prochaines vidéos tutoriels sur donc les donjons de l'île de Noël, les tutoriels, les différentes quêtes et les différentes attitudes aussi sur l'île de Noël. Donc, voilà. Donc, on se retrouve ben, pour ma part demain pour une nouvelle vidéo aussi de Minecraft. Et une prochaine quête de l'île de Noël si ça vous a plu. Allez, bye tout le monde. Bye bye. Merci encore.